Yon compagnie qui a dépensé l'argent sel pa jambe anken justificatif. Yon lot qui pa existe légalement mais qui semble gen abonnement pour superviser projet premier. Yon paquet lot qui semble exister seulement pour exécuter projet ak l'argent Petrocalibre. Compagnie qui recevra contrat pour saisir ses nouveautés présente un pile problème. Soit il n'a jamais joué un contrat, il n'a jamais exécuté. Même Jacques Audit Collectif La Vache là, avant de nous déplacer, nous te contacter pour gagner plus d'informations sur le travail que tu fais. Même Jacques Audit Collectif La Vache là, il n'a pas répondu à nous. Mais, même si il n'a pas parlé avec nous, ça va vous dire nous pas parler de nous. Audit Collectif sous l'ICEO continue de travail nous te fait dans Audit Collectif La Vache là. Pendant 11 jours, l'équipe terrain Audit Collectif en va te déplacer à Anse-Rouge, Balimbe, Capotille, Caracol, Tiakakavahal, Chantal, Inche, Mianbalet, Montorganisé, Pilate, Port-Morgo, Ranki, Rochabato, Sodo, Savanette et tout le monde dans l'idée pour comprendre l'impact réel de ce qui est financé avec l'argent Petro-Caribéa te gagner sur le monde dans la communauté. Une caractéristique du projet lycée, une caractéristique nous jouons dans la majorité de contrats projets qui financent avec le Fonds Petro-Caribé, c'est que tout contrat est signé. Réagré, ça veut dire sans appel d'offres, dans le monde qui compte le monde. Nous sommes directeur lycée Inchelin, Sylvain Arsien, t'expliquer qui Jean Sekosa remplace FAES. Bien, député a gardé l'IWE et FAES, c'est bien, prend du temps pour construction et de faire des démarches auprès de Sekosa. Paraît-il que gagner un fonds qui est disposé dans le budget pour ça. Ce premier temps, FAES, de voyer bien des ingénieurs venir garder des riens. Et puis peut-être yon, deux mois après, à mon grand étonnement, pendant ma passée, moi, un groupe de monde qui travaille. Les m'avancés me demandé, est-ce que c'est FAES? Je dis non. Je dis non, c'est pas FAES. Je dis c'est quoi ça? C'est quoi ça? Supervision études construction SA, c'est la première entreprise qui retenit attention. Il joue un contrat pour 8 dans 16 lycées. Pour un montant global, 356 378 805 gouttes. Dans 8 lycées, ça y est. 2 coulées, 3 pas finies. Tout le même architecture. Vous faites même jeu. C'est peinture seulement qui diffère. Et, depuis la pluie tombée, galerie à Clacoyo inondée. L'autre de la pluie a tombé, l'eau envahit toute galerie à net. Vous regardez les bâillettes. Tout bas ça l'eau futée là de net regardez tout en bateau ça tout c'est de l'eau le depuis la pluie a fini passer dans demain si Dieu c'est problème pour moi pour m'avoir balé pour me pousser de l'eau à mort pour m'a chercher juste avant il est rentré avant et m'a direction rentré pour me pousser de l'eau galia même faut dire son mère c'est pas première fois compagnie c'est que ça paraît dans rapport sur fonds Petro-Caribé l'en combiné rapport coût des comptes yo. Nos compagnies ont mentionné 56 fois dans 13 projets pour un total 95 901 $77 plus 692 630 205 gouttes dans le contrat. L'État décaissé 78 329 390 $40 plus 946 734 467 gouttes. L'irrité yon dette 9 millions de dollars pour compagnie. Contrat 13 projets sa yon fait de gré à gré. Koude kon estime mode passation contrat sa yon pote préjudice pour communauté. Parce que yon de yon cadre réglementé et puis yon contre ak bon pratique dans l'administration. Li précise tout irrégularité li constate dans contrat sa yon. Police yon kit la. C'est qu'on sa yon souvent 10 932 992 gout en plus sa kite dans contrat. Sans qu'un justificatif, sans garantie bancaire, sans pas un direct qui prévoit pour projet à exécuter. Pour lycée tout le monde, ça va être accès à Caval. Rapport janvier 2019, Côte d'Ivoire, précisé pas d'analyse besoin qui fait, contrat fait santé d'ailleurs, pas un document qui justifie dépense, ni certificat réception qui dit projet a fini. Pour lycée Pilate là non plus, d'après rapport 31 mai 2019, pas garantie bancaire, ni délai exécution, ni certificat exécution. Mettez sous ça, 989 717 gouttes 70 qui doit aller joindre DGIA, pas de fin prélevé. Lycée Inchelin, pas différent. DGI pas joindre 906 952 gouttes 27 liens.
pas un justificatif de dépenses non plus. En plus, 8 lycées nous avons visité, nous avons 7 lots là. J'ai Petro-Caribe à financer pour ce qu'on a exécuté, mais qui n'a pas de rapport avec les comptes. Nous jouons 6 dans le bilan ancien Premier ministre Lamotte qui a publié sur le site Internet en février 2015. Dans le bilan, ça, dans la compagnie n'a pas mentionné. Mais dans l'année 2012, le ministère des Travaux publics, MDPTC, a publié une liste lycée en construction qui était bail détail ça. D'après la liste MTPTC, en plus de lycée nous visiter dans 4 audits lycée, c'est qu'on s'est responsable d'exécuter 7 lots. Pion, Saint-Raphaël, Plaine du Nord, Maïsade, Belader, Gressier et Sainte-Suzanne. Lycée Plaine du Nord n'a pas paraît ni dans le rapport de contrôle ni dans le bilan de la mode. Malgré le premier audit collectif de Patka Junior, ancien Premier ministre Lamotte insisté 25 stades qui fait que c'est Petro-Caribe. Il y a une raison qui explique ça, car parce que malgré toute irrégularité nous sommes là, c'est qu'on s'est arrivé à joindre quand même 18 non-contrats pour 25 stades. C'est dans l'année 1998 qu'on parle de ce qu'on s'est pris naissance. Dans un article nouveliste qui était paru le 10 mai 2011, responsable compagnie, président Jean-Émile Laferrière et vice-président Patrick Pereira, t'a expliqué qui Jean compagnie qui était spécialisé dans faire route à pont décidé concentrer sur construire kay qui descend pour haïtien ka vivre. C'était après tremblement de terre 2010 là. C'est comme ça que seule grande entreprise haïtienne qui était dans bataille toujours pour un gros projet logement ministère tourisme. Pas travaux publics, mais tourisme t'a mené pour gouvernement. Projet ça t'est relé reconstruction de meilleure communauté. Il était supposé reloger victimes de tremblement de terre dans Orange, une zone qui parle de cité soleil. Même chaque projet destination de la vache là, ministère touriste est responsable tout. Projet ça pas abouti. C'est comme ça je ne contrat à gouvernement mais pour construire marché, parc sportif ensemble avec lycée nous visiter pendant audit là. Dans date qui était 12 novembre 2018 là, commissaire gouvernement Port-au-Prince là clamé Oknam Damayus t'es fait sortir un avis pour demander toute banque bloquée contre 36 compagnies qui étaient impliquées dans le dossier kit scolaire ensemble avec dilapidation l'agent Petro-Caribe. Parmi les entreprises, tu as gagné ce que ça. Mais, comme pas de aucun procédé pénal qui est engagé, ça a été là. En octobre 2020, juge Ramon Aksime, qui est juge instruction pour le dossier Petro-Caribe, a été mis mandat pour 3 personnes par être devant. Parmi eux, Jean-Émile Laferrière, PDG compagnie Secosa, qui était supposé aller 16 octobre 2020. Mais ça semblait être là. Deuxième compagnie qui méritait nous faire un petit parler de lui, c'est J&J Construction. Une compagnie qui était sous liste ancien commissaire gouvernement d'Améis là et qui généralement responsable supervision chantier lycée. Non compagnie apparaît 29 fois en tout dans rapport sur 13 projets. Parmi eux, 5 lycées. Au total, c'est 177 324 gouttes J&J Construction recevoir pour superviser chantier. Lycée Balimbé, lycée Rankit, lycée Pomago, lycée Moorganisé, lycée Capoti. Malgré tout problème nous constatons dans l'audit lycée, ou bien peut-être la cause, yo, coup de côte pas joint ni dossier paiement, ni rapport supervision, ni contrat, ni dossier technique, ni statut compagnie. Yo pas payer DGI non plus. Première recherche nous sur J&J Construction apprend nous les citoyens quoi des bouquets. Après ça nous joignons dans nouvelle liste un annonce cabinet Augustin qui dit société J&J Construction n'est pour bon nom Milfort Augustin et compagnie et qui est administré par José Milfort et Jason Augustin pas existé encore depuis 27 septembre 2010. Acte dissolution a été déposé dans cabinet notaire Jean A Lamotte depuis 8 novembre 2010. Quelques mois après, 25 janvier 2011, toujours dans Tianos nouvelle édition, nous joignons deux mêmes monnaies et une autre société. Même côté à même capital là pour même raison. Mais fois ça, compagnie a changé nom. Direlé Amico. Pourtant, contrat lycée aussi en 2012 et dans l'année 2016, J&J Construction t'a reçu l'argent l'état pour superviser lycée. Nous arrivons sur LinkedIn pour nous voir si dans profil compagnie à monde qui travaille pour lui, nous pas d'accord à prendre plus sur J&J Construction. Sur 4 monde nous joignent qui travaille pour compagnie,
3 pas jamais changé profil depuis 2012. Yon seul, yon ingénieur civil qui était responsable supervision à l'époque construction lycée, gen yon profil qui modifié depuis époque ça. Après 1 an, 5 mois dans ce cours ça, dans l'année 2011 à 2012, il a fait 1 an, 7 mois dans JJ construction dans l'année 2012 pour arriver 2013. De nos jours, la travaille pour l'ambassade étrangère. Nous essayons de contacter elle pour demander une interview dans le cadre d'audit lycée, mais nous n'avons pas de chance de venir. Information sur Josémil Foyo, ra. À part une photo côté de la fête anniversaire avec la famille, n'importe où, en mars 2017, nous venons à vivre Floride dans un quartier modeste avec un actif de 180 000 $ environ. Et puis, nous apprenons le divorce à Madame Ni en juin 2019. C'est tout. Pour ça, nous voyons j'ai gardé ingénieur Ewald Telusma qui signe comme PDG compagnie JJA. Bien que d'après l'autre annonce nouvelle, compagnie parlait CTH Building Contractor. L'idée montée compagnie ça 7 août 2007 50-50 à Billy Sineus qui lui-même t'est fait commencer à travailler ça comme ingénieur dans Sekosa. L'idée commencé en juin 2007 côté t'est passé 3 années à 3 mois. Nous jeunons Ewald Telusma dans rapport commission audit ancien premier ministre Gary Kony te commandé sous contrat premier ministre qui était là avant l'an te signé avant l'année dans l'agent Petro-Caribéen. Mais qui ça rapport te dit? Sous une base strictement légale, il y a raison pour nous poser tête nos questions sous 13 contrats qui signent avec JJ Construction qui c'est non commercial compagnie dans non collectif Milfort Augustin. Jocelyn Milfort et Jackson Augustin te monté ensemble. Contrat sa yo pote signati Telusma Ewald, ingénieur architecte. Cependant, pa gen aucun document qui disponible qui rend possible pour identifier à qui capacité monsieur Ewald te agi. Est-ce que li c'est un agent ou soit est-ce que li assume un fonctionnaire compagnie qui permet li représenter lui? En plus de ça, numéro patente monsieur Ewald là pas mentionné dans contrat yo. Li pa te possible pour commission audit la mande information sous qualification M. Telusma Ewald, qui signe 13 contrats. Dans la page rapport Beaublanc, rapport Sénat sous dossier Petro-Caribé qui a déclenché audit coup de corps publié, nous rejoignons l'annonce de nouvelle liste qui montre que compagnie pas existait encore. Et puis rappel sur qui j'ai rapport audit connu l'an passé, c'est un montage pour faciliter des caissements irréguliers en faveur d'un groupe monde qui proche monde qui t'a bail contrat sous ancien premier ministre Belle. D'après Dr. Reginald Boulos, qui a l'époque un bon rapport ni PHTK, ni ambassade américaine, ancien ambassadeur américaine Pamela White te confié. C'est 120 millions de dollars entourage président Matéli accumulé dans l'argent Petro-Caribéen. Quelque part, je ne sais pas qui est le maître, qui est le suivant. Il y a une accumulation de 120 millions de dollars. Le gouvernement américain m'a dit qu'il y a des accumulations. La Pamela White l'a dit. Pamela White m'a dit qu'il y a 120 millions de dollars d'accumulés à travers les hommes qui étaient au pouvoir. Oh. Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Est-ce que c'est ça l'offre politique de 2022? Ça veut dire l'offre de 2022, ce sont les gens au pouvoir, c'est peut-être Kali Ali qui gagne leadership. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis. Dans l'ambassade américaine Wikileaks est publié, nous jouons Laura Graham, chef opération fondation Clinton et puis chef cabinet Bill Clinton, qui l'année en Haïti, te kon descend kay ministre Belrive. Dans un email livré par Cherry Mills, chef cabinet secrétaire d'État Hillary Clinton, il semble pas de cas pour nan qui est à corruption dans le dossier Saharo, ni à qui a aucun sur fait ça. Email ça te écrit 26 février 2012, 2 jours après démission Gary Kony. Laura Graham paraît inquiet pour un ancien collègue Lia, qui, avant de premier ministre, le chef cabinet Bill Clinton en tant qu'envoyé spécial pays États-Unis en Haïti. Madame Graham explique que c'est pour contrat ça Michel Martelly qui était président pays à l'ESA, paraît pour attaquer Gary Kony, je le connais pour éviter détails contraire au prend la rue. Graham suspecte c'est pour pourcentage pas Martelly pas prend la rue. Passe 2012. Après Jean-Marc Belry fin rejeté audit Kony là, comme quoi c'est un bon ami premier ministre là qui t'a fait. Non, on connaît qui titre Noé Xenophobia est un grand scandale de corruption. Ça qui veut dire en créole, c'est pareil, nous raillons étrangers. C'est un gros scandale de corruption. Si Internet défunt, si c'était dias.com dans la République Dominicaine, tu prends plaisir à rappeler. Belle Rive, c'est famille Martelly, même Jean-Lise, c'est famille
RVD, qui était chef sélection projet, et puis qui vient ministre planification poursuivre même projet ça. Comme quoi, Mick Maclata, tout côté. Dans la même rubrique relation familiale ça, même si nous n'arrivons pas à jouer une information pour vous connaître, il y a quelques questions à chercher réponse pour vous. Est-ce que Josè Milford a un rapport avec l'autre Milford qui lui-même tout des jeunes contrats gré à gré sans signature ou d'accord dans l'agent Petro-Caribe? Compagnie qui si tout est en fait panneau publicité sous nom HPS, AD Print and Services, a commencé tout petit à crépissage car il passe tes pieds dans jalousie. Enfin, Brit Soukou est tombé dans un gros projet, plusieurs millions de dollars, construction machine à Miragouane, 7 735 035 dollars, 3 550 801 dollars 66 décaissés. Irrégularité, travail pas fini. Kiraj Penati Bonit, 16 580 000 gourdes qui finit en scandale. Rapprochement arrivé non point côté 19 octobre 2019. Après gros manifestation Petro-Caribe Challenge 17 octobre là, les commissaires gouvernement te convoqué ancien premier ministre Lamotte pour venir rendre compte sur qui j'ai l'argent Petro-Caribe a été dépensé, pas qu'a été invité ensemble avec Patrice Milford. Nous poser question parce que Patrice Milford c'est mari Anne-Valérie Timothée, ancien directrice cabinet président Matéli et puis ancien président parti qui était sous pouvoir dans période n'a pas lié et qui sous pouvoir toujours parti haïtien tête calé PHTK. Comme bagaille a fait en famille gré à gré, il est important pour chercher connaître plus sur relation ça et puis suivre l'agent jusqu'à que nous arrivions dans procès Petro-Caribéen. D'ailleurs, personne pas oublier accusation faux bulletin vote qui t'a circulé contre couple là. C'est Patrice Milford qui a négocié contrat impression bulletin pour l'élection 2015 au Dubaï. Dans point été relé ancien candidat à la présidence Sauveur PNT dans tribunal pour diffamation. On y est direct avec Milford yo t'a aidé comprendre qui Jean malgré JJ construction pas existé li joindre un contrat pour surveiller travail c'est comme ça. Parfait. Sonic Tin, M. Milford affiché tête li comme PDG compagnie la Générale Distribution et Construction SA depuis 1998. Mais dans description compagnie li marqué compagnie créée en 2001. Yon note qui était sorti sur Twitter pour défendre tête li dans affaire qui Raja Tibonit la te kembe même année 2001 comme l'année compagnie a commencé. Par contre, c'est comme ça te créé en 1998. Et nous t'ai déjà joint un ingénieur qui fait un an dans c'est ça traversé à l'énergie JJ pendant monde qui signe un contrat comme PDG JJ t'es associé non l'autre ingénieur qui lui-même t'ai fait 3 années dans c'est comme ça. Est-ce que trois compagnies ça y lié? Si oui, qui Jean? J'ai fort pour nous joindre publication compagnie ça y dans monde pas abouti. Yo mandé une date exacte pour nous acheter numéro mais nous pas de date là. Ministère commerce pas ta aider nous non plus pour même raison. C'est dans l'année 2004 compagnie JJ construction créée. Dans une annonce qui fait dans Nouvelis, nous apprenons que la société a formé 12 août 2004 pour bail service consultation, études et supervision dans le domaine de construction. Laisse ça, siège social li té nan marin dans la plaine. Nous parlons de ça passé en 2004 et 2010 qui fait société a si pas existé. Nous connaissons ça qui passé après li mouri. Li signé un contrat l'état pour plus passer 100 millions goud pendant que des côtes pas joindre trace qui ça a fait l'agence. Commission éthique Sénat a fait une analyse échantillon contrat qui montre que si tout chantier c'est quoi ça, JJ Construction est responsable supervisé. Il montre tout JJ fait l'état payer plus parce que ça est adoué. Rapport au plan fait remarquer tout c'est 33,5 millions de dollars en tout, c'est quoi ça bénéficie sur 9 projets. Ça qui veut dire 40% dans le contrat gré à gré pour le ministre Belrive signé jusqu'à 2 jours avant le président Préval quitte le pouvoir. Si un contrat dernière minute avec une compagnie zombie pour civer et travailler une compagnie qui pas même sous mes propositions, pas une attitude normale. Car il connaît te comprendre ça, il fait audit, il perd du boss. Laurent Lamotte qui suit lui annule 6 dans 41 contrats pendant qu'il déclarait volonté pour limiter bureaucratie dans pays à pour projet au caractère. Mais Jean Doutre dans audit collectif il a acheté et Jean Doutre dans audit lycée non seulement projet au caractère nan pile ka agent dépensé pour population bin pi mal. Non, moi c'est Bellevue Israël, moi c'est président NS4 là et en plus président établissement. Construction qui campé a li pa fait nous bien. Si nous t'en dans propre local pa nous t'ap ka fonctionner. Le matin, nous t'ap gen plus heure de temps et nous t'ap gen plus possibilité
pour nous faire plus d'efforts, parce que nous avons besoin de plus de cours, professeurs ont fait plus de temps, dans ce sens-là, nous avons plus avancé. Jeudi 5 avril 2018, ancien Premier ministre Laurent Lamothe était devant le cabinet juge d'instruction Jean-William Morin, côté où il a invité à répondre pendant plusieurs temps sur le dossier assassinat Alix Gassan, 24 février 2012. Juge Morin était invité tout, ancien président de la Chambre des députés Gary Baudot, ancien Premier ministre Gary Conille et Jean-Max Belrive, ensemble avec ancien ministre de planification RVD. Alix Marie Junior Gassan t'a travaillé dans JJ Construction. C'est comme ça avec JJ, pas de seule compagnie qui intervient dans le lycée. Mais l'autre compagnie était en contact sur un seul lycée. Sauf Choubi Entreprise qui était en deux. Ça qui fait nous arrêter sur. Mais ça va le dire, pas de bagage qui est régulier dans le contrat ça. Adéco. Tu as un contrat pour lui faire lycée Sodo. Selon le coup de compte, le projet s'est abandonné sans aucune explication et pas de pièce et titre qui était fait avant la construction de commencer. Sojek, qui a supervisé le projet, ça, malgré que tu as reçu 669 590 gouttes 17, pas aucun rapport de supervision. BK Engineering, tu as un contrat pour lycée Balembe. Tu as reçu 50% d'argent comme avance de démarrage. Tandis que, Article 83, loi 12 juin 2009, te dit clair coup de bloc, c'est 30% l'argent projet pour PIFOR, une compagnie qui gagne contrat à l'État doit recevoir comme avance de démarrage. Consultation plus te signé un contrat pour lycée Caracol. Dans le contrat, ça pas gagné une date limite pour lui exécuter projet. L'État même recevoir l'argent en avance pendant l'État même gagne garantie bancaire. Choubi Entreprise est responsable construction lycée Chantal à Cochabato. C'est propriété ingénieur agronome Patrick Sever, qui est actuel ministre agriculture et ressources naturelles. Coup d'école constaté, non seulement analyse besoin pas fait, mais tout en pile disposition qui en cas de contrat pas respecté dans exécuté et dans choix qui entreprise qui t'a pas réalisé pour GM. Contrat a été fait par entente direct sans pas respecter plafond qui prévoit l'article 2 arrêté 25 mai 2012 là. Article ça fixé maximum à 8 millions de gouttes. N'a souligné montant projet c'était 2 311 982,17 $. Ça qui veut dire 93 900 000 gouttes comme l'ESA 40.6 gouttes pour un dollar. Sous base ça, le coût des comptes est conclu, contrat nul de plein droit. D'après l'IS lycée en construction MTPTCA, entreprise ministère VAT est responsable tout pour faire deux marchés à que l'autre lycée, lycée Saint-Jean d'ici. L'IS là marqué, il a complété, mais comme lycée sa partenaire pour coup de compte là, il n'est pas incliné au dit lycée. Lycée qui l'a donné, lycée Chantal et lycée Rochabato, non seulement pas fini, il a commencé à écraser. Malgré l'état de guet a décaissé 79 862 460 gouttes. Et DGI pas joué 8 878 000 gouttes par là, il était supposé jouer sous contrat.